Ah, parlons donc de ces hommes d'armes. La perle rare de My Games. Je veux dire, c'est tellement passionnant, ça mériterait presque un défilé en leur honneur, n'est-ce pas? Vous vous rappelez sans doute avec émotion de l'époque où monter ces hommes d'armes pour les faire évoluer en paladin relevait presque du rite initiatique. C'était comme grimper l'Himalaya. Vous auriez probablement troqué votre âme pour quelques-uns de ces guerriers bien-aimés. Ça demandait une quantité d'honneur à faire pâlir un chevalier de légende et relever tous les défis de la saison 5, vous récompensant de ces paladins bénis, histoire de faire évoluer vos pauvres hommes d'armes. Ah, le temps et l'effort que cela a demandé. C'était presque de la folie, n'est-ce pas? Vous deviez travailler dur, suer de sang et eau sur le champ de bataille pour gagner vos défis. Mais bien sûr, MyGames a décidé de rendre les choses plus intéressantes. En introduisant les maîtrises. Fini la subtilité, adieu aux tactiques sophistiquées avec les paladins. Désormais, tout ce que ça va faire, c'est de dire à vos troupes de protéger leur chef et regardez-les déferler sur l'ennemi comme un rouleau compresseur. Et si par miracle vous avez réussi à comprendre que la résistance aux dégâts contendants laisse un peu à désirer, il vous suffira d'esquiver les fauchefers, les prévôts marteleurs et quelques cavaliers, si tant que les joueurs sachent s'en servir. Ensuite, vous pourrez vous vanter d'accumuler au moins 50 éliminations, sinon vous êtes vraiment à chier. C'est devenu la nouvelle norme. Alors bien sûr, je me suis précipité pour monter ces hommes d'armes, comme tout le monde. Ah, le massacre. C'est tellement jouissif que je songe sérieusement à m'inscrire au CBL. C'est tellement absurde que ça en devient comique. Et bien sûr, n'oublions pas les paladins, ces adorables toutous qui coûtent la maudite somme de 35 points d'influence, alors que les hommes d'armes se négocient à seulement 215. C'est que... Jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Rijke hier hanteert. Omdat... Dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. Dat ik dacht, dat kan niet. Excuseer, dames en heren. Évidemment, en plein milieu de tout ce délire, je me suis fait déconnecter. Merde alors.